projet plus tard, ce serait d'aller en Australie, faire du business, des affaires, du commerce, de la vente. Mais le problème, je me demande comment je pourrais arriver là-bas. C'est mon village. Mes parents, ils sont partis du Maroc pour venir ici. On a grandi ici en banlieue. Avant, on avait la boulangerie, le terrain de foot et l'école. C'est tout. La chance que j'ai eue quand j'ai connu ma femme, qui elle était de Paris, elle m'a fait découvrir Paris. Donc dès que tu sais qu'à 7 km de chez toi, 8 ou 9 km, il y a Paris, l'une des plus belles villes du monde. Nous, on a grandi là. Bah, autant rester là. Je suis arrivé ici en primaire, en CE2, deuxième classe de primaire. J'avais jamais redoublé, mais ils m'ont quand même envoyé en BEP. On appelle ça BEP, brevet. C'est tertiaire. On ne connaît pas très bien aussi tous les métiers qui existent. Sauf que nous, ici en banlieue, on a des classes de BEP, donc comptabilité, secrétariat et vente. Et qu'arrivé un moment, au collège, on remplit ces classes. On n'essaye pas de vraiment essayer de savoir ce que le talent du jeune ou qu'est-ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce que tout le monde peut y gagner. Parce qu'en histoire, si la personne sort avec un diplôme, avec un métier qu'il aime, tout le monde est gagnant dans l'histoire, que ce soit la société ou la personne. Ce que je voulais être prof de sport, j'ai été à la fac de sport. Bon, après, tu arrives à la fac de sport, on te dit il y a 4000 ou 6000 élèves pour 400 postes. Tu viens du tertiaire, ils ont tous fait bac scientifique. Déjà, le fossé, déjà, c'est dur. Alors, j'ai commencé à 21 ans à créer ma première entreprise. Donc, ma sœur s'occupait de l'administration, puis moi, du développement et du commercial. On est monté, puis après, les clients nous ont demandé de faire d'autres services. Et puis maintenant, j'ai créé une pépinière là où on est aujourd'hui, qui regroupe plusieurs entreprises au milieu des quartiers, là où j'ai grandi, avec mon meilleur ami avec qui j'ai grandi. Dans mon entreprise, oui, je fonctionne à 100% comme ça. Esprit sportif, compétition, on a des concurrents, on a des règles, il faut les respecter, il ne faut pas se faire avoir, et puis voilà, c'est tout. Et le sport, il n'y a pas de religion, il n'y a rien. On est tous pareils, on a un short, un maillot, des chaussettes, on est tous pareils. Et voilà, oui, je gère l'entreprise et mes salariés, mais je dirais, c'est même pas mes salariés, c'est mes partenaires. Parce qu'on est ensemble dans l'aventure. N'oublie pas d'où tu viens. Pas de devise. Faut pas oublier d'où on vient. Faut pas oublier qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire souvent je dis à mes clients, je dis n'oubliez pas, j'ai nettoyé des toilettes pour arriver jusqu'ici. Donc ça me fait pas peur demain de retourner à nettoyer des toilettes. Je sais ce que c'est. Faut pas oublier d'où on vient. Je reste ici et je fais en sorte de monter. C'est pour monter le niveau. On a de la chance, c'était le département pendant des années qui était le plus pourri. Ils disent c'est le département le plus pauvre, le plus de nationalité. C'est important maintenant parce qu'on parle du monde. C'est le département où il y a le plus de fonciers, c'est-à-dire il y a le plus de terrains libres. Donc c'est là que ça va se passer. On a Roissy, c'est à côté, 7 km. On a le Bourget, premier aéroport d'affaires. On a tout ici. Pourquoi je veux partir? J'ai tout ici. Juste faut être patient, faut avancer petit à petit. Mais dans 10 ans, 15 ans, c'est ici que ça se passe.